Donc là, les amis Lyon, il est prêt pour faire le test. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la chaîne de Sisma. C'est une chaîne qui est très différente et aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. Je teste l'intelligence de mon chien, vous allez me dire, on a déjà vu ça ailleurs, mais pas chez moi. Et bienvenue aux nouveaux arrivants dans ma chaîne, vous êtes chez vous ici, on est une grande famille, la famille Sisma. On va faire un test d'intelligence les amis et vous allez voir, mon chien est très différent et n'est pas comme les autres chiens, il est vraiment... Là, carrément là, c'est tellement haut que ça rentre pas dans l'écran. Avant de commencer les amis, je vous fais un bisou. Et là, on peut commencer. Donc là, les amis, dans ce test, Lyon va reconnaître son prénom. Gars, test numéro 1. Je vais montrer à Lyon plusieurs feuilles. Et en fait, il doit reconnaître son prénom. Je vais vous montrer qui sait lire. Hein. Donc là, les amis, on lui a posé les trois. Donc on dit, vas-y, Lyon. Ah, il est venu devant son prénom. La preuve, les amis. Une petite pause, les amis, pour vous dire un petit truc. C'est abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a beaucoup qui regardent la chaîne, mais très peu qui s'abonnent. Abonnez-vous juste en bas les amis et encore plus important, activez la cloche les potos. Et je vous laisse avec la vidéo, go. Il va faire de la reconnaissance de couleur. Donc Lyon, rouge. Lyon, rouge. C'est bien. Et là les amis, un autre test où Lyon doit faire un calcul mental. On va savoir si notre chien sait compter. Donc on va lui donner ce truc là. Ok, il va le voir pendant 2 secondes. Là il est en train de réfléchir. Il va le voir pendant 2 secondes. Et après... il va devoir compter. Il a 10 secondes pour compter. Donc là, les amis, comme vous voyez, je lui ai donné un papier vide et un stylo. Et là, il doit avoir écrire le résultat du compte. Ok? Donc on va compter jusqu'à 10. Là, il va vers les papiers pour compter. Mais vous allez voir, c'est la vérité. Il n'y a pas de trucage. Vous avez bien vu vous-même qu'il a compté lui-même. Donc là, les amis, on va voir le résultat qu'il a fait. Donc le résultat qu'il nous a écrit, c'est celui-là. 16645 0704. On va vérifier par nous-mêmes avec notre calculatrice. Et on va partir pour une petite vérification. On a dit 190 fois 40 divisé par 1,42 fois 3,11. Moi je me suis dit il s'est trompé. Ah non, 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 c'est pas possible les gars. Il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé les amis, regardez le résultat. Regardez là et regardez le résultat les amis, il a eu juste. Et là les amis, ça serait une reconnaissance d'objet. Qui doit savoir c'est quoi une fourchette, c'est quoi une cuillère et c'est quoi un couteau les amis. On va voir est-ce qu'il va trouver la cuillère ou pas. Allez, cuillère. Cuillère, bah c'est bien. Et là les amis, je vais demander à Lyon de se téléporter. Vous me dites c'est impossible. Et je vais vous montrer la preuve que j'ai un chien magique les amis. Allez Lyon, désert. Allez Lyon, plage. Allez Lyon, forêt. Ouf. Les amis, le tournage était très fatigant de cette vidéo, c'était vraiment très compliqué. Parce que mon chien il est tellement intelligent qu'il me laisse pas l'aider. Il est vraiment autonome à 100%. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, lâchez un petit commentaire. Et dites-moi si vous aussi, vous avez des chiens, quelle race, comment ils s'appellent. Et bienvenue, ciao ciao ciao. Abonne-toi et active la cloche. N'oublie pas de partager avec tes amis.